Bonjour à tous. Je suis pas du tout spécialiste du hasard, mais dans mes études plutôt scientifiques, le hasard, c'est en gros l'ensemble des événements qu'on ne peut pas prédire et auxquels on est capable parfois d'attacher une probabilité et parfois pas. Par exemple, vous lancez un dé en l'air, on sait calculer la probabilité qu'il tombe sur telle face ou telle autre. Et comme on ne sait pas mesurer précisément les conditions initiales du mouvement de lancer, c'est un événement qui rentre dans cet ensemble. Et puis il y a des événements, on ne sait pas les prédire et on ne sait pas leur attribuer une probabilité. Par exemple, une question qu'on se pose souvent quand on est dans l'espace, est-ce que la vie existe ailleurs? On ne sait pas. Et on ne sait pas dire avec quelle probabilité elle a d'exister ou pas exister. Si vous parlez avec des exobiologistes, certains pensent que c'est peu probable, d'autres que c'est probable, mais on ne sait pas calculer la probabilité. Voilà, c'est tout ce que je sais sur le hasard. Sur qu'est-ce qu'un astronaute? Alors, il y a beaucoup d'idées préconçues, mais en une phrase, le métier d'astronaute consiste à être opérateur de machines complexes en environnement extrême, hostile, confiné, isolé. C'est que ça. Quand vous entendez dire les astronautes font de la recherche scientifique dans l'ISS, c'est un raccourci de langage. On est opérateur d'instruments scientifiques pour le compte de chercheurs qui sont sur Terre, qui reçoivent les échantillons, analysent les données, publient dans les revues. Et l'ISS est organisé comme un laboratoire de recherche. En gros, 70% du temps de travail des astronautes dans l'ISS est consacré à faire fonctionner du matériel scientifique, des séquenceurs d'ADN, des microscopes, des échographes, des chambres de combustion, de la physique des fluides, des matériaux, enfin toutes sortes de trucs, parfois des usines à gaz incroyables. 10% du temps, c'est le sport. Sur les vols de longue durée, c'est obligatoire. Donc là déjà, on ne laisse pas une chance au hasard de détériorer l'organisme. On n'est pas égaux du tout, hein. Il y a des astronautes, après un vol de 6 mois, ils perdent 15 à 20% de leur densité osseuse. Ils récupèrent presque tout, enfin suffisamment pour que ce soit pas grave pour le reste de leur vie. Et puis d'autres qui ont volé 5 fois 6 mois, enfin il n'y en a pas beaucoup, hein. Et 0% de densité osseuse perdue. Alors c'est peut-être parce qu'il était très, très assidu à faire son sport, etc. C'est le seul d'ailleurs qui a volé autant de temps que prendra un jour le voyage aller-retour vers Mars. Donc ça, c'est 10% du temps. Et 20% du temps, c'est entretenir le laboratoire. Les machines complexes, c'est le vaisseau. C'est les bras et les matériels robotiques. Ce sont les scaphandres. Le scaphandre, c'est un mini vaisseau spatial à lui tout seul. Tous les systèmes qui font fonctionner un vaisseau spatial sont dans le scaphandre, qui a la forme d'un corps humain, mais c'est un vaisseau spatial. Il y a même un système de propulsion intégré. La radio, la génération électrique, les outils, les caméras, l'éclairage, la pression, la température, l'humidité, la composition de l'atmosphère, l'élimination du gaz carbonique, enfin, etc. Et puis, les machines complexes sont tous ces appareillages scientifiques dont je vous parle. Il y a certains appareils scientifiques confiés aux astronautes à bord qui sont très, très complexes. Et alors, en environnement extrême, en deux mots, parce que la pression est zéro, et parce que la température varie de moins 200, moins 150 degrés à plus de 100 degrés selon que le matériel dont vous mesurez la température est à l'ombre ou au soleil. Il n'y a pas de température du vide. Hein. Quand on parle de la température dans l'espace, c'est sous-entendu de matière qu'on place dans l'espace. Et c'est d'ailleurs le système le plus important dans toute machine spatiale, tout vaisseau spatial habité ou inhabité. Le système numéro un qui doit bien fonctionner, c'est le système de régulation thermique. Dans la navette spatiale, par exemple, s'il tombe en panne, c'est rentrer dans l'atmosphère tout de suite. Parce que les électroniques, elles chauffent, et si elles ne sont pas refroidies, elles crament en moins d'une demi-heure. Donc, on rentre dans l'atmosphère, même si on ne peut pas atteindre de piste. Et on sauve notre peau en sautant en parachute. Hostile, parce qu'on est soumis aux rayons cosmiques qui abîment notre ADN. Mais tout ça, c'est mesuré. On a des dosimètres, et puis on tolère chez l'astronaute 3% de probabilité supplémentaire de développer un cancer dû aux radiations que pour les métiers terrestres exposés aux radiations, les radiologues, etc. Et l'autre côté hostile du milieu spatial, c'est les micrométéorites et les débris. On n'a jamais perdu d'hommes et de femmes dans l'espace. On n'a jamais perdu d'astronautes en orbite. On a perdu malheureusement 4 équipages, mais j'y reviendrai, à la montée ou à la rentrée, les phases très dynamiques.
Alors isolé parce que, alors confiné parce que bah, il fait pas beau dehors, on peut pas sortir, donc c'est du confinement étanche hard. C'est pas comme notre confinement où on pouvait sortir tous les jours. Moi je me sentais pas prisonnier pendant le premier confinement. Je pouvais sortir tous les jours pour faire des courses sans aller trop loin, mais je pouvais sortir. Là on peut pas sortir. Et puis si on veut sortir, c'est rare, et c'est compliqué, ça prend du temps. Faut faire des paillettes de décompression, respirer de l'oxygène pur pendant 4 heures si on vient d'une pression de 1 bar. Après c'est mettre en ordre tout un appareillage, le scaphandre, mais enfin, c'est confiné parce qu'il fait pas beau dehors, voilà. Et isolé parce qu'on est loin de tout. On peut pas ramener le vaisseau au garage s'il y a une panne ou appeler un plombier ou on doit se débrouiller tout seul. Mais on a accès à des experts au sol. On a connu les pires catastrophes en orbite qu'on puisse connaître en milieu confiné. Vous vous souvenez, Apollo 13, l'explosion d'un réservoir d'oxygène qui a fait que il n'y avait plus d'électricité par les piles à combustible, il fallait compter que sur les batteries. Alors, ils ont pompé essentiellement les batteries du LEM pour garder le peu d'énergie électrique en batterie du module de commande pour entrer dans l'atmosphère. Ils ont réussi. Et Mir a connu un feu presque catastrophique qui était self-sustained, comme on dit en anglais, c'est-à-dire auto-alimenté de carburant et de comburant. Donc, quand ils ont essayé de l'étouffer avec des vêtements, les vêtements ont brûlé, ça a créé une fumée tellement épaisse qu'ils ne voyaient pas leurs doigts à bout de bras. Mais ils étaient entraînés, ils ont cherché les masques à gaz et voilà, ils ont sauvé leur peau. Et quelques mois plus tard, un mois après notre mission de ravitaillement, une collision a créé une déformation mécanique de l'attache d'un panneau solaire et ils ont perdu un tiers de l'atmosphère avant de pouvoir isoler la fuite. Et ils ont sauvé leur peau à nouveau. Et Mir a continué à fonctionner pendant 4 ans. Alors, quelle place on laisse au hasard dans la fonction, la mission, la sécurité? Zéro. Zéro chance. C'est-à-dire que si on a le moindre doute sur quelque chose, on décolle pas. Et donc, dès la conception, on imagine tous les événements redoutés qui peuvent se produire. Pour chaque événement redouté, on regarde quel est le niveau de gravité des conséquences, et quel est le niveau de probabilité d'occurrence de cet événement redouté. Et si c'est à la fois trop les deux, on s'interdit d'accepter le design comme ça, on redesigne, on ajoute des redondances, ou voire des redondances dissimilaires, pour pas qu'il y ait des modes dits de panne commun, ou s'il y a un problème sur un équipement qui est en fait générique, auquel on n'avait pas pensé, si les redondances sont exactement le même équipement, il aura les mêmes pannes. Et tout ça, ça se calcule. Et en gros, dans le design, on s'interdit que quelque combinaison que ce soit de deux pannes, reliées ou pas, de une panne ou deux pannes, ou d'une panne d'équipement et d'une erreur humaine, ou de deux erreurs humaines, on sauve notre peau. En fait, on appelle ça FOFS, Fail Operational Fail Safe. Après une panne, on doit pouvoir garantir le succès de la mission. Après deux pannes, quelle qu'elle soit, on doit, si possible, toujours réussir la mission, ce qui est toujours le cas quand les pannes n'ont rien à voir l'une avec l'autre, et ça arrive dans toutes les missions spatiales. Mais au pire, on doit pouvoir sauver l'équipage. Donc pour ça, il y a un travail à la conception. Il y a un travail très poussé lors de la rédaction des procédures, parce que quand on est opérateur de machine, on les opère en suivant des procédures. Oui, d'ailleurs, j'ai pas dit ce qu'était opérateur. Je vous dis machine, complexe, extrême, hostile, confiné, isolé. Mais être opérateur d'une machine, c'est la même chose que vous faites quand vous mettez en marche une machine à café, une machine à laver, quand vous conduisez un scooter, une voiture. Vous avez des commandes. Et vous agissez sur les commandes en fonction d'informations qui vous sont présentées, ça peut être la vitesse, par exemple, pour une voiture, et des règles que vous avez d'utilisation de la machine, dans le but de remplir une mission, d'atteindre un objectif. Et donc, on a des procédures, et les procédures nous couvrent pour toutes les combinaisons de pannes et de jusqu'à deux pannes. Au-delà de deux pannes, il faut qu'on utilise notre intelligence, si on en a un peu, pour savoir, on gère une panne, clac, il y a une autre panne qui arrive,
On regarde s'il faut continuer à gérer la première en priorité ou s'il faut tout de suite s'occuper de la deuxième ou les deux en même temps. Et c'est hallucinant de voir à quel point les procédures sont en quelques lignes, derrière quelques lignes de procédures, il y a tout un rational, comme on dit en anglais, c'est-à-dire toute une explication, une rationalisation qui explique pourquoi c'est écrit comme ça et dans tel ordre. Donc quand on s'entraîne en simulateur, on a les procédures, il y a une vingtaine de kilos de procédures, la montée, l'orbite, le rendez-vous, les bras robotiques, tout ça. Il y a celles qui sont les procédures normales, la tâche à accomplir, et puis les pages jaunes, ce sont les pages quand il y a des anomalies. Et pour chaque procédure, il y a un bouquin, un handbook, qui explique toute la réflexion intellectuelle derrière les lignes de procédure, qui explique pourquoi on a écrit comme ça, les choses comme ça. Et on a un plan de vol. Et en fait, on a essayé de penser à tout ce à quoi on peut penser. Et la seule chose qu'on n'est pas capable de prédire, mais dont on a une relative connaissance de statistique en orbite, c'est les débris et les micrométéorites. Et pour ça, on a rajouté des coques, des boucliers, par-dessus les modules étanches. Dans un vaisseau habité, c'est une association de cylindres et de demi-sphères. Enfin, c'est les formes les plus faciles à concevoir quand il y a des fortes différences de pression. Mais maintenant, il y a des nouveaux matériaux qui permettent d'avoir des angles comme ça, au lieu d'avoir que des arrondis, et ça marche. Mais dans la navette, on a notre cockpit étanche, il est suspendu à l'intérieur de la structure extérieure. Dans la station spatiale, il y a des modules comme Columbus, comme la station spatiale internationale. Il y a des structures extérieures, des treillis, des panneaux solaires. Mais là où vivent les gens, c'est des cylindres attachés entre eux. Et toutes les zones, comme c'est des vols de longue durée, la chance qu'on donne aux débris ou aux probabilités, eventually, un jour, de percuter un module ou un autre, est plus grande. Plus vous exposez à un risque dans le temps, plus vous donnez une chance que la probabilité finisse par arriver et par faire que l'événement se produit. Donc on a des MMOD, Micro Meteorites Orbital Debris Shield, des écrans de protection contre les micrométéorites et les débris orbitaux. Cela dit, on estime que la probabilité sur une période de 10 ans de perdre la mission, voire la station, mais pas les équipages, est de 1 sur 8 sur une période de 10 ans. Parce que la plupart, c'est les événements pour lesquels on sait que l'équipage a le temps de rentrer dans leur vaisseau de transport et d'évacuer. Parce que le vaisseau de transport qui fait la montée au début et le retour à la fin de la mission de 6 mois, entre-temps, il assure la fonction de chaloupe de sauvetage. Il est disponible à tout moment pour rentrer. C'est d'ailleurs une des raisons pour lesquelles on demande aux astronautes de faire du sport tous les jours. Parce que vous pourriez très bien ne pas faire de sport du tout pendant 5 mois, et le dernier mois, allez, on y va à fond, on récupère les muscles, la densité osseuse, on en fait. Mais il faut être capable de rentrer à tout moment s'il y a un problème. Et la probabilité de perdre la vie d'un astronaute sur une période de 10 ans d'habitation continue de l'ISS, c'est de 1 sur 60. Donc les missions sont de 6 mois, ça veut dire que ça revient, vous multipliez par 20. Donc ça fait combien ? Ça fait 1 sur 1200. Voilà la probabilité estimée de perdre la vie dans une mission spatiale de 6 mois en orbite à bord de l'ISS. Quand j'étais en navette spatiale, on nous avait dit à l'avance, on nous avait expliqué pourquoi les calculs donnaient de l'ordre de 1 sur 300. Globalement, de perdre la vie sur la mission globale, y compris lancement, la rentrée dans l'atmosphère. Les statistiques, après coup, donnent un chiffre de l'ordre de 1%, à peu près. Donc c'est quand même un métier très risqué. Mais ce que je voulais vous dire sur les équipages qu'on a perdus, par exemple, côté américain, on a perdu on a perdu malheureusement deux équipages. L'équipage de la navette spatiale Challenger en 1986 et l'équipage de la navette Columbia en 2003.
ça n'est pas un coup de pas de bol. Ça n'est pas un coup du hasard. Dans le cas de Challenger, il faisait moins 7 degrés en Floride, le matin. Moi, j'ai passé déjà Noël et Nouvel An en Floride, il faisait plus 25. Mais quand la NASA a spécifié à Rockwell la conception de la navette spatiale et à Rocketdyne peut-être qui a fait les propulseurs à poudre, elle avait spécifié, il faut que ça fonctionne et que ce soit qualifié et testé pour 0 degré ou au-dessus. Et les ingénieurs spécialistes des propulseurs à poudre avaient remarqué, lorsqu'ils analysent les boosters qui reviennent au cours des missions, que lors des lancements où il fait plus froid que d'autres lancements, le joint devient plus cassant. Mais il était qualifié. Les essais montraient à 0 degré au-dessus, ça tenait quand même. Et si jamais il y en a un qui avait une fissure qui se cassait, il y a le deuxième joint derrière qui fonctionne. Et on avait déjà eu des vols où le premier joint était facturé, mais le deuxième a assuré la sécurité. Là, il faisait moins 7. Tous les experts spécialistes des joints des propulseurs à poudre disaient, je parle du contractant, celui qui a fabriqué et conçu le système navette spatiale, disait, il ne faut pas lancer. Parce que on ne sait pas ce que ça va donner, on ne l'a pas testé, vous ne nous avez pas demandé de qualifier en dessous de 0 degré, et même on soupçonne que ça va casser grave. Parce que plus on se rapprochait de température basse, même pas à 0 degré, 10 degrés, 5 degrés, on voit que les joints deviennent cassants. Et il y a une pression du très haut management qui disait, si, il y a une institutrice, il faut y aller, quoi. Donc c'est pas un coup de malchance. C'est un manque d'écoute par les top managers de ceux qui savent et qui ont l'expertise. C'est un excès de complaisance, quoi. Et en fait, Columbia, c'est pareil. Dans les spécifications de conception du système navette, ce qu'on appelle la navette spatiale au sens rigoureux du terme, c'est tout l'ensemble qui décolle. La partie qui ressemble à un avion avec des ailes delta qu'on appelle navette, le terme officiel, c'est l'orbiteur. C'est la seule partie qui reste en orbite. Elle est attachée au ET, le external tank, qui alimente les moteurs de l'orbiteur à raison de 1 tonne d'oxygène d'hydrogène liquide par seconde. C'est avec des turbopompes qui videraient une piscine de taille moyenne en 15 secondes. C'est très, très compliqué. Vous savez, en astronautique, il y a 2 grands mondes. Il y a les lanceurs, les fusées, et les vaisseaux spatiaux, les satellites, les vaisseaux ABT, les sondes interplanétaires, les télescopes spatiaux. Ben, la partie la plus difficile à maîtriser en termes de technique, ingénierie, c'est la science des fusées, en particulier les moteurs. Ça arrive à moins de 100 degrés dans la turbopompe et ça sort dans la chambre de combustion à plus 1000 degrés. Et c'est là qu'est le risque principal, d'ailleurs. Mais tout ça, c'est hyper testé, c'est calculé. Et le réservoir extérieur, donc, il est rempli avec des produits liquides à moins 200 degrés, moins 180, moins 220 degrés pour l'un, pour l'autre. Donc, en Floride, comme le climat, comme c'est très humide, vous laissez ce truc-là, juste le métal de quelques millimètres, exposé pendant quelques heures, l'humidité gèle au contact du réservoir et en quelques heures, vous avez 10 à 20 cm de givre. Donc c'est trop lourd, ça peut plus décoller. C'est pour ça que le réservoir extérieur, il a besoin d'être couvert d'une mousse isolante thermiquement. Et la spécification, c'est il ne faut pas qu'elle se détache, qu'elle se désagrège. Il faut une colle qui garde l'intégrité, il faut que la mousse garde son intégrité et reste collée. Parce que l'orbiteur, il est attaché sur le côté. Alors pourquoi ? Parce que ce choix de système de transport spatial qu'avait fait la NASA, c'est on veut transporter les humains et leur cargaison jusqu'à 20 tonnes dans le même vaisseau. Comme c'est énorme, ça pèse 100 tonnes à vide, on ne peut pas le mettre en haut comme tous les autres vaisseaux spatiaux de transport d'astronautes, qui sont tous des capsules qui sont en haut. Et quand c'est en haut, c'est ça, c'est bien parce que c'est tout petit, c'est léger, et s'il y a le moins de problèmes de la partie qui est en dessous, on éjecte. Mais la navette, l'orbiteur, on ne peut pas le mettre en haut et l'éjecter s'il y a un problème. Donc on le fait contribuer au lancement avec ses propres moteurs. C'est pour ça qu'il est flanqué sur le côté. Et qui fait que s'il y a un défaut des propulseurs à poudre sur les côtés ou du réservoir extérieur, il le subit de plein fouet.
Donc, dans le cas de Challenger, il a subi de plein fouet un défaut des propulseurs à poudre. Et dans le cas de Columbia, il y a un vol où on voit un morceau de mousse qui se détache. Pas de dégâts, rien. La mission se passe bien. Donc, les ingénieurs, enfin, la NASA décide, les responsables du programme, de signer une dérogation à la spécification exigée par les ingénieurs que la mousse ne doit pas se décoller. Bon, apparemment, ça s'est décollé, mais ça s'est bien passé. Donc, on va continuer les vols en signant une dérogation contre cette exigence technique en attendant d'avoir trouvé la solution. Et le jour où la mousse s'est détachée lors du lancement de Columbia en janvier 2003, on en était au 18e vol avec, sur plus d'une centaine, on était au 18e vol où un bout de mousse se détache. Mais là, il s'est détaché à un endroit tel qu'il a percuté le bord d'attaque, il a fait un trou gros comme ça, et lors de la rentrée, le plasma à 1800 degrés, créé par l'onde de choc en hypersonique, bien, est rentré à l'intérieur, a tout fait fondre. Si on a perdu des humains dans l'espace, et côté soviétique, c'est presque pareil. Quand Komarov est parti, Yuri Gagarin, qui était sa doublure, était responsable de l'équipe qui faisait la revue de qualification au vol et analysait toutes les discrepancies, comme on dit en anglais, toutes les déviations par rapport aux exigences. Et il avait une liste de plus de 200 déviations par rapport à ce qui était prévu dans les données, les dossiers techniques. Alors finalement, Komarov est mort pour une autre raison qu'une de ces 200. Mais il est parti parce qu'il y avait une pression du Kremlin pour l'anniversaire de la Révolution, et avec plein de points ouverts. Et Soyouz 11, là, c'est un... Alors, vous l'avez déjà entendu tout à l'heure, c'est un défaut de procédure. C'est une commission de défaut de procédure où l'équipe qui était mal écrite, et quand la capsule s'est séparée du module orbital qui sert à s'accoster à la station Salyut, eh bien, il y a une petite fuite de quelques millimètres qui est restée et l'air est parti tout doucement, sans qu'ils s'en rendent compte. Vous savez, quand vous manquez de plus en plus d'oxygène, tout doucement, il n'y a aucun moyen de s'en rendre compte. Parce que plus vous rentrez dans l'état d'hypoxie, moins vous avez de chances d'être conscient pour vous rendre compte que vous rentrez dans l'hypoxie. C'est pour ça que tous les pilotes de chasse sont entraînés dans des chambres d'altitude, sans oxygène, qui sont à 1000 mètres, 1000 mètres, on monte à 5500 mètres, et on leur demande, écoutez votre corps, écoutez tous les symptômes que vous avez du fait que vous manquez d'oxygène, même si vous ne le sentez pas lors de la respiration. Quand le diaphragme, il a envie de gonfler les poumons, tant qu'il y a du gaz qui rentre, vous êtes content. Même si dedans, il n'y a pas assez d'oxygène, Et c'est comme ça que, depuis quelques accidents d'avions de chasse où des pilotes ont manqué d'oxygène, des pilotes de chasse ont sauvé leur peau parce qu'ils ont senti des petits picotements au bout des doigts. Ils se sont dit, il y a quelque chose, je mange peut-être d'oxygène. Ils se mettent en surpression, ils descendent et ils sauvent leur peau. Et ça, c'était Soyouz 11. Voilà, ce que je voulais dire, c'est que les quelques astronautes qu'on a perdus dans l'histoire de 60 ans de vol habité, c'est pas le coup du hasard. Voilà, donc dans la conception, dans les procédures, dans l'entraînement des astronautes, l'entraînement des équipes au sol, la rédaction des procédures, tout ça, on laisse aucune chance au hasard. Alors, j'avais cité en janvier, en quelques minutes, il y a deux caractéristiques du hasard auxquelles on fait face dans notre carrière, qui ne sont pas liées à notre mission. C'est lors de la sélection et quand on regarde la Terre. Quand on est candidat à une sélection d'astronautes, il y en a peut-être qui le sont parmi vous, super, bravo. À la fin, que ce soit en Europe, aux États-Unis, il y a toujours plus de candidats déclarés tous excellents pour le job qu'il y a de candidats retenus. Alors pourquoi moi et pas lui à côté? J'ai aucune explication. C'est imprédictible. C'est pour ça, quelque part dans une sélection, à la fin, il faut avoir de la chance. Et l'autre question que je voulais dire par rapport à la vue de la Terre, quand vous regardez la Terre, alors tout à l'heure, vous en avez parlé sur qu'est-ce qui a créé la Terre, la création. Je ne sais pas, mais qu'est-ce qui fait que nous sommes émus au point de pleurer quand on regarde la Terre? Quel est le mécanisme sensoriel, émotionnel, psychique qui fait qu'on est admiratif, émerveillé, amoureux de la Terre quand on la regarde? Et je n'ai pas la réponse.
Et la question que je me pose, c'est est-ce que des aliens qui viendraient d'un autre système solaire nous rendent visite? Est-ce qu'ils trouveraient la Terre aussi belle comme nous, on la trouve belle? Ou est-ce que nous sommes programmés quelque part dans notre ADN, dans notre psychisme ancestral, pour admirer notre planète Terre? Mais, voilà. Mais je vais m'arrêter là parce que maintenant, c'est les questions. Oui. Bon. Combien d'entre vous sont candidats à la sélection? Alors lui, tant qu'il n'est pas sélectionné, il est obligé de donner une petite chance au hasard. Mais j'espère que ce sera la bonne. Ah, vous êtes candidat ou vous voulez poser une question? Ah, les deux. Ah, super. Est-ce qu'on pourra se passer d'humain dans l'espace, vu que les humains peuvent faire des erreurs? Est-ce qu'on pourra se passer des humains? Dans l'espace, oui. Non. Alors, la première raison, je vais reprendre une phrase de Hubert Reeves. On participait une fois à la Nuit des Étoiles, il y a une vingtaine d'années. Et puis, on enverra des hommes sur Mars, des hommes et des femmes. Jamais un robot s'exclamera « Oh, regarde !» Or, la question la plus souvent posée aux astronautes, c'est « Qu'est-ce que ça fait d'être dans l'espace ?» Les gens veulent savoir, si j'étais à votre place, mon corps, mes sens me diraient quoi? Je ressentirais quoi? J'aurais peur, je serais stressé, je serais émerveillé, je serais concentré, et ça fait quoi de flotter? C'est quoi la pesanteur? Et quand on regarde la Terre, l'overview effect, comme ça, c'est notre destin. C'est notre destin d'explorer. L'exploration, c'est pas la recherche d'une solution à un problème, c'est juste l'état d'esprit consistant à aller là où on n'est jamais allé pour voir ce qu'il y a. Alors, sur le plan reptilien, sur le plan animal, on explore pour savoir où est la nourriture, où est l'eau pour vivre et où est l'abri pour me protéger et où sont les menaces. Mais chez l'être humain, l'exploration va plus loin au sens large, hein, l'infiniment petit, les océans, le cerveau, l'espace. On est curieux et on a envie de savoir. On est motivé par la quête du savoir, qui est une cause très noble, parce que comme disait André Braïc, avec le savoir, donc avec l'exploration, viennent les découvertes, avec les découvertes viennent le savoir et la connaissance, avec la connaissance, à condition qu'on la transmette par l'éducation, vient la sagesse, et avec la sagesse vient le pacifisme. Les guerres viennent de l'ignorance. Donc le meilleur moyen de s'opposer aux guerres, c'est d'éduquer avec le savoir qui augmente régulièrement. Et j'aime bien la phrase du capitaine Kirk, « Notre mission, explorer de nouveaux mondes étranges, rechercher de nouvelles formes de vie, avec audace, aller là où on n'est jamais allé. » Et c'est pas pour répondre à une question de survie immédiate à court terme ou de chercher où est la nourriture, c'est parce que on en a envie. Et le robot sera toujours là, mais pour précéder l'homme comme éclaireur, pour l'accompagner pour les tâches trop risquées ou trop répétitives, quand vous allez ramasser des cailloux sur Mars, vous n'allez pas les porter dans votre porte-bagages. Vous avez un petit chariot automatique qui va vous suivre. J'ai fait des essais d'ailleurs à Rio Tinto en Espagne, qui est un Mars analogue, où avec les gestes du bras ou la parole, on commandait des robots qui portent les outils, etc. Donc ils seront toujours là, les robots, mais ils pourront jamais remplacer les humains. Et puis, plus que ça, vous savez pourquoi les dinosaures ont disparu? Parce qu'ils n'avaient pas de programme spatial. Et à très long terme, si on n'apprend pas à vivre ailleurs, mais je pars dans des centaines de milliers d'années, voire millions d'années, on a le temps, eh bien un jour, il n'y aura plus d'humains sur Terre. C'est écrit. C'est écrit dans les lois de la physique, pour des raisons purement naturelles. Donc, pour le 1 euro par an que vous donnez chacun dans les vols habités, c'est la contribution de la France à peu près, dans le programme ISS, 1,1 euro par an par habitant, eh bien, et pareil dans les autres grandes puissances spatiales, on aura peut-être un jour la capacité de vivre ailleurs. Donc, c'est quand même sympa. Moi, je trouverais ça dommage qu'un jour, il n'y ait plus d'humains dans l'univers, quoi. On aura servi à quoi, quoi? Bon. L'évolution principale, c'est à partir de l'ère de la station Mir et de la navette spatiale. Au départ, c'était, est-ce que l'homme peut vivre et travailler et piloter, effectuer des tâches qui demandent de l'adresse gestuelle, de la concentration, de la prise de décision rapide, comme un pilote, comme Catherine, là, qui va vous parler, qui est championne, 2 fois championne du monde, 10 fois championne de France, vous ne le devenez pas par hasard.
C'est du travail, c'est du talent, et c'est de la capacité à décider rapidement. Ça, c'était tout au début. Après, on s'est dit, quitte à envoyer des hommes dans l'espace pour démontrer notre puissance nationale. Parce que c'est à ce jour, les vols spatiaux publics, financés sur fonds publics, sont décidés par les gouvernements pour une question de prestige national et d'élévation du savoir-faire et du savoir-faire-faire de nos agences et de notre industrie. C'est pour ça que les Chinois ont un programme spatial très fort. Ils veulent montrer qu'ils sont très forts pour résoudre des problèmes très compliqués, les fusées, les moteurs fusées, etc. Mais une fois qu'on a démontré ça, quitte à envoyer des hommes dans l'espace, autant leur faire faire quelque chose d'utile pour la connaissance. Donc on a orienté de plus en plus le contenu de leur mission vers des activités scientifiques. Donc aujourd'hui, le métier d'astronaute, il n'est plus dans la recherche de la capacité à vivre et à travailler. On sait qu'on peut, jusqu'à même un an en continu. Mais les Russes disent au bout de quelques mois, les Américains d'ailleurs, au bout de 6 mois, après, on est un peu moins performant. Mais au moins, on pense qu'on peut tenir, les experts disent qu'on peut tenir 2 ans. On serait capable de tenir suffisamment en bonne santé un humain pendant 2 ans en apesanteur. Donc ce n'est pas encore assez pour aller vers Mars, donc on cherche encore. Mais c'est plus aseptisé, plus réglementé. Au départ, c'était un peu des cow-boys. Ils avaient pas mal d'autonomie, ils faisaient un peu ce qu'ils voulaient. Mais plus on avance dans le temps, plus c'est régulé, procédurier. Mais dans l'esprit, c'est le même. Tous les astronautes ont le goût d'aventure, ils ont envie de le faire. On ne devient pas astronaute par hasard. Personne ne vient vous chercher en disant « Eh, on t'a vu, on a vu ce que tu fais, on aimerait bien que tu deviennes astronaute. » Tous les astronautes sont des personnes qui ont eu la démarche personnelle de répondre à un appel à candidature, comme ce jeune homme là-bas, et qui, à la fin, ont la chance d'être sélectionnés. Mais nous sommes opérateurs de machines. C'est toujours le cas aujourd'hui. Mais à partir de l'année prochaine, des astronautes ne seront plus dans l'espace pour travailler, mais pour le fun. C'est ce que je rêvais d'être quand j'étais gamin. Je rêvais pas d'être astronaute qui va dans l'espace pour travailler, mais je rêvais d'aller dans l'espace pour le fun. Donc ça va. Mais faut être milliardaire, ou plusieurs dizaines de fois millionnaire. Et le prix ne baissera pas parce que les lois de la physique sont incontournables. Donc ça restera le prix de l'énergie. La navette spatiale, au bout de 2 minutes, elle développe 45 gigawatts de puissance mécanique. Là, en ce moment, si vous regardez votre application RTE du CO2Mix, je ne sais pas si vous connaissez, c'est une application géniale, vous voyez toute la puissance électrique venant des 10 sources d'énergie différentes en France, eh bien, on est à 45 gigawatts de puissance électrique installée dans le pays, tout utilisateur confondu. Quelle chance l'astronaute laisse-t-il finalement au hasard? Ça a été un voyage de la Terre vers l'espace avec tous les problèmes d'études, de procédures, de tests, de répétitions, d'entraînements. Et finalement, on s'aperçoit que la réponse qu'on cherchait, c'est que finalement, il n'y a pas beaucoup de hasard sur la phase de préparation, et c'est pour ça qu'elle existe, c'est pour ça que les astronautes sont autant en confiance de partir. Et finalement, le hasard est plutôt du côté des dirigeants. Savoir qui va nous demander et quand d'y aller, si on comprend un peu le fin mot de l'histoire. Puisque la question qui a été posée vers la fin, la première, c'était de savoir est-ce qu'on remplacera les humains pour aller dans l'espace. La réponse brillamment trouvée lors de ce colloque sur la nuit des étoiles, c'était de dire non, il faut garder des humains pour préserver l'émerveillement et le témoignage envers nos congénères sur Terre qui se posent des questions sur ce qui se passe là-haut. Mais par contre, on pourrait se demander si on ne pourrait pas remplacer quelques décideurs par des intelligences artificielles pour l'aide à la décision, ce qui là est une chose qui va peut-être arriver dans les prochaines années, vu l'évolution de l'intelligence artificielle. Quand on regarde les médias, quand on regarde l'espace depuis l'extérieur, on a souvent l'impression que quand il y a une réussite, c'est un mélange savant entre le génie humain et le hasard du moment. Bon, là, on apprend l'envers du décor sur les problèmes météo, mais on pourrait se dire qu'on ne contrôle pas ça, mais par contre, on le mesure. Par contre, quand on a des échecs, on cherche tout de suite un coupable. Donc finalement, il y a du hasard quand on réussit parce qu'on est fort, mais aussi parce que la nature nous aide. Et quand on échoue, c'est toujours nous, humains, qui sommes fautifs.